Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une brève présentation d'un nouveau serveur. Donc, ce serveur, c'est Alcazia. C'est un serveur avec launcher, comme la plupart des serveurs que je présente. Lol. Donc, je vais présenter ici dans la première partie toutes les nouvelles choses qu'ils rajoutent dans ce mode. Et après, je vais vous montrer le spawn du serveur. Voilà. Donc on commence par le premier minerai. Donc il y a 4 nouveaux minerais. C'est la bauxite. Ça se trouve très facilement, comme on peut voir ici. Voilà, il y en a là-bas, 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 là-bas. Voilà, enfin bref, c'est très facile à trouver. Voilà. Ensuite, on a le granit. C'est un peu plus rare, je n'ai pas encore trouvé. Non, il n'y en a pas. Voilà, c'est un minerai assez sympa. Quand on le met, ça fait ça. Tranquille. Ensuite, on a l'opale, un minerai que je ne connaissais pas, mais il a l'air marrant, il est multicolore. Je me suis trompé ici. Voilà, c'est bleu, comme ça. Alors, le minerai le plus rare. Donc, c'est la météore. Donc, c'est la météorite. Donc comment on obtient ça? Ça ne se trouve pas dans les grottes. Ça se trouve en fait il y a des météorites. Oups, ce qui est ceci. Dans n'importe quelle map vous pourrez en trouver une avec des particules de feu autour. Et je crois que dans le chat il sera écrit une météorite est apparue et tout. Donc voilà. Donc c'est très très rare. Quand je suis sans savoir, je n'ai pas vu de message, donc c'est vraiment très rare. Voilà pour les armures, donc voilà les petits outils, Meteor Pickaxe, l'épée sympa, l'arc est vraiment puissant. Enfin, je vois pas ce que ça change. Bon, enfin bref, voilà donc. Putain, voilà, épée, ça, voilà, pioche. Granit sword, elle est un peu bizarre, mais on s'en fout. On dirait une plume. Alors. Voilà. L'arc. Bauxite pickaxe. Voilà. Lament pickaxe. Et l'arc en bauxite. Voilà. Donc ça, c'était le nouveau minerai. Voilà, vous pouvez voir le minerai. Très très beau minerai de l'opale et la météore, c'est vraiment bien aussi. Alors nous avons un item rajouté dans leur mode. Je tiens à dire que leur mode, le mode du serveur a été fait complètement par eux. Donc voilà, donc ça c'est le milk potion. Donc c'est la même chose qu'un seau de lait. Donc vous savez qu'un seau de lait, ça permet d'effacer tous les trucs de potions. Voilà, donc ici ça permet d'enlever seulement, je dis bien seulement, les potions de poison. Donc c'est un truc vraiment sympa. Donc par exemple, on va prendre une potion de poison. On va la lancer dessus. Voilà, vous voyez, poison. Voilà, et on n'a plus de poison. Donc c'est vraiment utile parce qu'en plus, un seau de lait, ça prend beaucoup plus de temps. Regardez la vitesse où je bois. Une. Deux secondes. Même pas deux secondes pour boire le truc. Donc c'est vraiment utile. Donc voilà, comme ça on sera plus emmerdé par les potions de poison. Voilà. Alors, un nouveau item, nouveau bloc plutôt, c'est le chest iron chest, comme dans Feed the Beast. Donc ça rajoute deux fois plus de place. Je sais pas encore comment on le craft, mais enfin bref, voilà. On s'en fout en fait. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer comment j'ai fait pour avoir ça. Donc c'est un bloc, le bloc invisible. Je sais pas du tout comment on peut l'avoir. Je sais pas si on peut le crafter ou pour par exemple voir dans des bases ou n'importe quoi, ou alors c'est seulement pour les admins. Je sais pas, mais à mon avis je crois qu'on peut le crafter, mais peut-être que vous direz le craft plus tard. Voilà, donc ça c'est un bloc utile pour voir les cavernes et tout. Ensuite vous voyez bien, voilà, vous voyez que la plateforme ici est éclairée mais il n'y a aucune torche. Et ça, c'est grâce à un nouveau bloc vraiment sympa. C'est vraiment un bon bloc. Je vais prendre ça pour après. Tac.
Donc oui. Ah. Oh mon Dieu. Putain, je sais pas comment on fait. Ici, non. Voilà, lumière, air. Donc voilà, c'est de l'air. Là, on voit pas que j'ai le bloc. Et par exemple, on va aller dans le noir ici. On va la poser là. Voilà, ça fait ça. Voilà. Bien sûr, c'est seulement pour les admins. Mais par contre, si vous êtes en solo, en créatif, voilà, vous pouvez faire des constructions avec ça. C'est assez sympa. Et voilà, donc là, j'ai une armure. L'armure ninja. Voilà, les textures sont pas encore faites. Mais voilà, cette armure n'est pas craftable. Elle est seulement. On peut seulement la gagner dans des events, il paraît. Et voilà. Armure ninja. Je sais pas ce qu'elle donne de plus, mais voilà. Ninja. Voilà, c'est tout pour cette présentation des blocs et du mode, quoi. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite sur le serveur pour la présentation du spawn. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc on se retrouve sur le spawn. Dans le spawn. Ouais, au spawn, voilà. Donc voilà, c'est le spawn, c'est sa part. J'ai déjà dit pourquoi, parce que c'est le même spawn que dans Reborn PvP. Reborn a été. PvP a été. Fermé car. Par son impopa. Putain. Impopularité, voilà. Oui, voilà. Donc il n'y avait plus personne dessus. J'étais tout seul à me connecter et après. Pourquoi je suis tout seul? Bon, après j'ai arrêté le serveur, bien sûr, j'ai acheté plein de kits pour rien en fait. Et voilà. Donc voilà. Donc spawn toujours bien sympa. Il est vide, les maisons sont vides, il n'y a rien dedans. Bah, ils vont sûrement rajouter des choses dedans. Donc je tiens à dire que ce serveur, comme j'ai dit, a été créé par le staff de Reborn PVP, bien sûr, parce que c'est leur spawn. Le staff de Legitime Fight. Et Dopsy Fight, donc vraiment trois serveurs qui se réunissent en un, donc ça fait c'est vraiment bien. Vous voyez, launcher, tout est bien fait, le site aussi est bien fait. Donc je vous conseille de venir, ça va. Donc voilà, donc je suis sûr que Art Fight va être dégradé par ce serveur. Voilà, là ils sont mis en haut, ils sont bien, ils sont beaux parce que trois serveurs réunis, boum, voilà, c'est bien ça. Et ouais, voilà. Donc voilà. Donc on va aller dans la Warzone pour vous mo montrer quelque chose de nouveau, mais assez bien pensé. On va essayer de pas mourir. Alors, je suppose qu'on n'a pas de dégâts. Voilà, donc le truc. Putain, ah non, j'ai cru que c'était un mec. Donc voilà. Super belle. Enfin, bien, elle est bien cette. Warzone parce qu'elle est plate avec des petits toits comme ça. Et voilà. Le bazar, il y a tout ça autour du spawn. Il y a bah voilà, c'est un anti bac AP. Donc voilà, on imagine là je vais presque mourir, j'ai la moitié de mes coeurs. Je suis un petit kikoulol, j'ai envie de donner mon AP pour faire tomber avec ma recul 2. Et voilà, donc je cours. Même avec auto sprint, allez voilà, tac. Pendant le mec là, s'il est meilleur que vous, bah vous faites choper. Voilà, vous avancez, vous pouvez pas vous arrêter. Allez, voilà. Allez. Allez, vous êtes un BG. Allez. Là, je fais mon auto-sprint. Et voilà, je peux déjà plus courir. Donc voilà, là, vous êtes mort. Donc vous pouvez plus courir. L'autre, il a eu le temps de bouffer. Et voilà, quoi. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez plus aller à votre AP. Ah voilà. Voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une météorite. Voilà. C'est une météorite, ça fait des particules de flemme. Donc voilà, je sais pas pourquoi ces gens font des AP. Je vois pas vraiment l'utilité. Je vois vraiment pas l'utilité de faire des AP ici. Il y a un mec? Oh, j'ai entendu un mec. Oh putain, merde. On se casse! Ok, il s'en fout. Donc voilà. Putain, ils se rendent compte de faire des trucs là, ils ont pas encore compris. Donc voilà, j'espère que cette présentation de ce serveur vous aura plu. Donc, si je répète, c'est Alcazia. Le site sera dans la description. Moi, je vais me faire celui-là pendant ce temps-là.
putain, merde. Oh la merde. Putain, il lag, ce mec. Putain, il y a des potions. Il y a des potions de quoi? Oh, la potion de vitesse. Nice. Oh, raté, connard. Regarde le mec, il joue full popo. Mais viens PVP, mon gars. Putain, oh. Bon, t'es sérieux, là. Putain, je PVP pas contre des gens comme ça. Regarde, il ramène son anier. Putain, ça me casse les couilles. Eh, c'est déjà pas bien, ça. J'arrive sur un serveur, mon gars. Tim, tim. Putain, il a des popos et il doit appeler son allié. Cherche l'erreur. Bon, là, je fuis. Ah, non, son allié est pas là. Bon, il y a une vitesse en plus. Bon, putain, il me fait trop de dégâts. Il y a une force, quoi. Bon, je vais faire ma technique. Comme il bug, il pourra pas monter. C'est moi le BG en slow ici. Oh là, ça vient de me rattraper. Putain, merde! Ah voilà, j'ai semé. Voilà. Voilà, c'était trop simple. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette présentation. Donc un petit like, voilà, ça me ferait plaisir. On a des abonnements aussi. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je te dis ça combien de fois en fait là. Donc voilà, donc on se dit à la prochaine. Tchuss.